Bonjour. Allez, ça va. Non, mais c'est fait partie de la vie d'un entraîneur, de la vie d'une équipe, de la vie d'un club, d'avoir des périodes difficiles. On l'a tous connu. Il y en a eu aussi l'année dernière. Le plus important dans ces moments-là, c'est premièrement de ne pas céder au catastrophisme ambiant. Ça me paraît primordial. Deuxièmement, comme l'a dit Gaëtan, d'avoir un lien avec les joueurs au niveau des discussions sur ce qu'on peut encore améliorer dans le jeu. Et il y a plein de choses à améliorer. Et troisièmement, c'est à moi de leur donner les solutions. Vous savez, quand on perd un match, on est tous très touchés. On réagit tous un petit peu différemment. C'est dur. C'est toujours très dur de perdre un match, que ce soit à Marseille ou ailleurs, surtout quand c'est la troisième défaite en championnat consécutive. Donc on est conscient de tout ça. Mais encore une fois, comme je vous le disais, rien ne sert d'être dans le négatif et d'être dans le catastrophisme. On n'est qu'à 6 journées de championnat. On a un match très important demain, c'est vrai. Je pense que c'est un match qui peut impliquer beaucoup de choses pour la suite, dans un sens ou dans l'autre. Bah, ça veut dire que quand on regarde le classement, aujourd'hui, on est à 4 points de Clermont, qui fait un très très bon début de championnat, avec une très belle qualité de jeu, mais qu'en gagnant demain, on peut revenir à 1 point 2 et se réinstaller on va dire, dans le premier tiers du classement. Donc, il y a 6 journées de jouer. Évidemment que ce n'est pas le début qu'on espérait et dont on rêvait. On espérait beaucoup mieux. Mais il n'y a pas lieu, encore une fois, de tomber dans une sinistrose complète, parce que c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Évidemment qu'on attendait tous mieux, évidemment, mais il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. On a un groupe jeune, je veux pas chercher d'excuses là-dessus. Bien sûr qu'on est nous aussi les premiers déçus, ce sont nous, les joueurs, le staff, les dirigeants, on est les premiers à être déçu, qui n'est pas en lien avec ce qu'on souhaitait faire, avec les moyens qui ont été mis en œuvre. Mais une fois qu'on a dit ça, nous, notre job, c'est de trouver des solutions, c'est pas de s'apitoyer sur notre sort. C'est une équipe qui joue très bien au football, qui a des principes bien ancrés et qui ne se renie pas, quel que soit le contexte et les événements du match. Nous, on doit être capable je dirais que le match référence dans ce domaine-là, c'est Tottenham, même s'il y a eu aussi des imperfections défensives dans ce match-là. Mais en tout cas, dans ce qu'on a envie d'emmener et de montrer, c'est le match de Tottenham, dans l'allant, dans le jeu vers l'avant, dans l'ambition. Mais encore une fois, si on ne l'a pas fait à Marseille, c'est aussi parce que Marseille nous a obligés à jouer différemment. Et il y a toujours un rapport de force dans un match. Je pense que dimanche, il nous était supérieur dans beaucoup de domaines.